Les genres d'obstacles qu'on peut rencontrer quand on est rendu à la préparation de repas, c'est premièrement, peut-être que les enfants, ils ont une très dure journée à l'école. Ils sont fatigués, ils sont intolérants, ils sont plus énervés. À ce moment-là, ça devient un petit peu plus problématique. C'est sûr qu'on manie des choses qui sont chaudes, des couteaux. Il peut y avoir des risques d'accident. Moi, ce que je fais pour essayer de les divertir, du moins d'éliminer ces dangers-là, c'est que j'essaie de leur trouver une activité calme. J'ai surtout développé un jeu qui est vraiment intéressant, que les gars apprécient vraiment beaucoup. C'est les petites lettres qu'on voit tout le temps sur les frigos, là. Ben, je les ai pris. Puis, dans le fond, je demande à Rémi certaines questions selon son niveau académique. Rémi, trouve-moi la lettre B. Puis, je demande aussi à Luca d'autres questions par rapport à son niveau académique. Luca, trouve les autres lettres pour faire le mot tigre. Ah, l'avantage qu'il y a avec ce genre de jeu-là, c'est que tu gardes une certaine proximité avec tes enfants. Ils sont pas à l'autre bout de la maison. Tu peux leur parler quand même. Tu contrôles leur sécurité, si je peux dire. Puis l'avantage pour les enfants, c'est qu'ils peuvent continuer ce qu'ils ont appris déjà à l'école. Ils peuvent continuer leur éducation en n'étant pas à l'école. Puis ça, on s'entend, ça n'a pas l'air d'être un devoir. C'est un jeu. Puis les enfants apprennent toujours mieux dans le jeu. Puis si on peut en faire partie de ce jeu-là, ben c'est deux fois mieux parce que ça développe la complicité parent-enfant. Puis les enfants adorent ça, ils ne demandent que ça.